Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouvel unboxing, je vais peut-être un petit peu trop zoomer, de Dragoborn, et du coup cette fois-ci avec le TD5, sorti le 2 mars 2018. Alors comme je l'ai déjà dit sur l'autre unboxing, donc je fais ces vidéos parce que je les ai eu, j'ai eu ces decks à moindre prix, puisque le jeu a été annoncé comme terminé avec le cinquième booster pack Reckoning of Vashir qui sera disponible le 26 octobre 2018, et donc les prix du jeu ont bien baissé et ça m'a permis du coup d'acquérir deux decks pour vous faire des unboxings et éventuellement un à quoi on joue si ça vous intéresse. Dans ce cas-là, précisez-le dans les commentaires s'il vous plaît. Voilà, donc au niveau de ce deck-là, donc je vais l'ouvrir et on va regarder un peu ensemble ce qu'il y a dedans. Oh, putain, la boîte elle avait morflé pendant le trajet. Voilà. Donc, hein, comme d'habitude, vous avez des arts sur les côtés, le contenu du deck derrière, quelques infos complémentaires, quelques explications sur le jeu. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et donc, oh, putain. Donc là, ce coup-ci, on a deux dés verts et un dés jaune. On va avoir, comme la dernière fois, le. Oh là! La carte promo, qui est Tanglewood Messenger, qui s'était fait la malle par rapport au reste du paquet. Donc je vais la mettre de côté ici déjà. Le rulebook, hein, donc les règles. Hein. Dépliante sous les dés, top. Également le tapis de jeu avec également comme la dernière fois. Ah, sauf que ce coup-ci, d'accord, ils m'ont mis les trucs sur le deck Reaper's Gift alors que le deck que j'ai là c'est Nature's Wrath. Ok, donc voilà, ça colle pas vraiment. Mais c'est pas grave, avant que ce soit l'extension. Wow, ça s'envole, je sais pas ce que c'est. Hop. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc voilà. Hop. Donc au niveau du contenu. Voilà, vous voyez, ça souffle toujours. Hein. J'ai pas changé de jour. Hein, c'est du deck. Hop. On va enlever ça. Je vais faire un peu de poids avec mon couteau. Comme ça s'envolera pas. Donc bon, voilà, la mise au point refuse toujours de se faire. Donc au niveau des cartes, nous allons avoir Geese Unending Fury en x2, dont une foil. Emissary of Flourishing x4, dont une foil. Putain, Escutéon. Escutcheon. Escutcheon, Ezuk, ah putain, Escutcheon, Angel x4, dont une foil, putain, j'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. Darkbane Priest en x4, Sanctuary Squire x4, Answered Prayer x2, Incapacitate x4, dont une foil. Treya, Blessed by Fairies, x2, dont une foil. Fearful Sprite, x2, dont une foil. Favored Scholar, x2. Nimble Outrider, x2. Chromegear Paladin, x4. Dauntless Lancer, x4. Untested Scout, x4, dont une foil. Erudite Archer, x4. Cleanse x2, dont une foil. Donc Shield of Log, la banner. Rune Mark of Tirnanog. Encore une Rune Mark of Tirnanog qui complète donc ce deck. Voilà donc pour le contenu du TD5 Nature's Wrath. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus, à ciao, bye bye.